Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, est mort à l'âge de 95 ans. Figure emblématique des années Mitterrand, Robert Badinter s'est notamment fait connaître pour l'abolition de la peine de mort. On le sait moins, mais il a également été l'avocat de l'Express de 1953 à 1979, une période où les attaques judiciaires étaient nombreuses contre le magazine. À la grande époque de combat de l'Express contre la guerre d'Algérie, la plume de Jean-Jacques Savoie-Chabert s'enflammait beaucoup et un nombre important d'éditoriaux ou d'articles qui étaient publiés étaient à la limite de la légalité très répressive de l'époque. Finalement, la décision a été prise, c'est que on prenne les articles en amont, c'est-à-dire avant la publication. Je cochais en marge tout ce qui me paraissait pouvoir éventuellement faire l'objet ensuite de poursuites judiciaires. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez toutes ces interviews sur le site l'express.fr.